Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Ici Jonathan from Work to Successful. Eh oui mon ami. Donc aujourd'hui on va voir dans cette vidéo les trois compétences pour pouvoir tout cartonner dans ton business. D'accord? Comme ça tu vas pas aller à droite à gauche. Parce que moi quand j'ai commencé, je me suis formé dans plein de trucs qui n'était pas forcément nécessaire. C'est important, d'accord? Tu peux, par exemple, te former à savoir bien écrire, à savoir faire des beaux montages vidéo, etc. Mais la vérité, c'est que ce qui est important, se résume sur trois compétences indispensables pour pouvoir vraiment faire entrer du cash. Ok? Donc, on part du principe que tu as déjà ton entreprise, tu as déjà une expertise. Tu as déjà une expertise que tu peux vendre. Donc, la première compétence sur lequel tu dois te concentrer et travailler, c'est le marketing. Il faut que tu sois bon en marketing. La maladie de l'expert, c'est qu'il n'y a que lui qui sait que c'est un expert. Personne ne sait qu'il est bon. Le gars, il garde toute son expertise, donc toute l'aide qu'il pourrait apporter aux gens, il ne peut pas le faire. Parce que vendre, c'est servir. Tu vois? Donc, il peut servir personne parce que personne ne le connaît. Ça ne sert à rien. Donc du coup, le marketing, c'est important. D'accord? Le marketing, c'est ni négatif ni positif. C'est juste un instrument pour pouvoir faire connaître ton expertise. Deuxième compétence, une fois que tu as fait ton marketing, tu vas attirer des prospects. Eh ben, là, il va falloir apprendre à faire des tunnels de vente. Des tunnels de vente pour pouvoir convertir tes prospects. Donc là, ça va te demander du copywriting. Il faut que tu te formes là-dedans. Il faut que tu sois bon là-dedans pour pouvoir convertir les prospects en clients. Parce que les prospects, même si tu es bon, en fait, il faut que je leur explique que oui, je suis bon et c'est même pas ça. C'est surtout, oui, ça va vous aider. Si jamais vous prenez mon offre, ça va vous aider par rapport au problème que vous rencontrez actuellement. Troisième compétence. Hyper, alors je crois que c'est la plus importante celle-là. Limite, les deux autres, si jamais tu ne les as pas, c'est pas grave. Mais la priorité, et ça c'est quelque chose dont personne ne parle, la priorité, apprends à vendre. Apprends à vendre, mon gars, c'est la base. J'aurais bien aimé qu'on me le dise depuis le début. Apprendre à vendre, c'est super important. Tu as beau être bon en marketing, tu as beau être bon faire des tunnels de vente, un bon copywriting. Si jamais après, d'ailleurs, tu closes pas, tu vends pas, il n'y a pas d'argent dans l'entreprise, mon gars. Il n'y a pas d'argent. Donc, la première chose à faire, c'est apprendre à vendre. Lis tout ce que tu peux lire sur la vente. Il faut absolument que tu apprennes à vendre, que tu n'aies pas peur de vendre, que tu ne vois pas ça comme quelque chose de mal. Vendre, c'est servir. D'accord ? Il y a énormément de gens qui ont des douleurs, qui ont besoin de ton service. On va prendre l'exemple d'un prof d'anglais. Le gars, il est super bon, il a une technique de ouf pour savoir comment te faire apprendre l'anglais parce qu'il a découvert et tout, parce qu'il est bon dans son truc. Mais il a peur de vendre. Alors que toi, tu galères. Par exemple, moi, hein, je suis en train d'apprendre l'anglais en ce moment et j'aurais bien voulu avoir une technique de ouf, tu vois. Et imagine que le gars, en fait, il ne me vend pas. Donc moi, j'ai une douleur parce que j'ai envie d'apprendre l'anglais, mais le gars ne me propose pas son service. Donc, il ne peut pas m'aider. Et moi, je serais prêt à payer sans problème pour pouvoir avoir une technique pour aller encore plus vite, ou etc. Tu vois, un exemple. OK? Donc, la vente, super important. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu es libre de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Tu mets ton mail et moi, je t'envoie ma formation offerte. On verra ensemble plus de 25 idées de business rentable, comment créer ton offre sans argent, comment fixer son prix, etc. Comment vendre, comment créer un tunnel de vente aussi. Tout est dedans. Il y a énormément de contenu, mon habitude. Il n'y a pas ça. Je ne pense pas que d'autres personnes donnent autant de contenu. OK? Donc, nous, on se voit sur une prochaine vidéo. Prends soin de toi et reste déterminé.